Bonjour à tous. Donc cette petite vidéo, s'il y en a, ils vont pas comprendre pourquoi je la fais. Les intéressés le comprendront. C'est spécialement pour le site VM où il y en a 4-5 qui font le jour et ils croient faire la pluie et le beau temps. Et que quand ils parlent, ils parlent comme si on était des escrocs, des malhonnêtes, des mécréants, des voyous et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai envie de leur répondre. Voilà. Si vous avez un problème avec moi, appelez-moi. J'habite en France comme vous, ça vous coûtera vraiment pas cher de m'appeler. Si vous voulez, vous me laissez un message, je vous rappelle si ça vous fait trop cher. Mais on est en France, on a un téléphone, appelez-moi, je vous règle votre problème. Donc déjà, s'il y a n'importe quel problème dans un magasin en France, quel qu'il soit, que vous avez acheté sur Internet, ils sont obligés de vous rembourser. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est la loi. Vous n'êtes pas content d'un produit, on vous rembourse. Vous avez mangé des petits pois, même la moitié de la boîte. Elle vous plaît pas, vous allez au magasin, on vous rembourse, c'est la loi, j'y peux rien. Donc ça sert à rien de faire appel à un avocat pour vous faire changer votre baguette. Vous allez voir le magasin, bonjour, ma baguette elle est trop dure, je vous la change ou je vous rembourse. C'est vous qui voyez, c'est la loi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je vais pas aller plus loin un peu sur ça, c'est comme ça. Donc pour ceux qui font appel à PayPal pour un remboursement, je veux bien, mais c'est plus long. Maintenant, s'ils vont faire des critiques en disant c'est long, c'est pas moi qui ai choisi cette solution. Vous m'appelez, en une seconde, c'est réglé. Bon, bref. Maintenant, on va parler du principal intéressé, c'est ce machin-là. Je ne l'ai même pas noirci, parce que déjà, il est très invisible. Donc, je ne l'ai même pas noirci. Et pour les Lilian machin, les Jace, les... Il y en a même qui m'a... je ne me rappelle plus son nom, bon... Il y en a d'autres qui parlent, ils sont même pas, pourquoi ils l'ont même pas acheté, ils parlent, les mentalismes 13, je sais pas quoi. Donc pour ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire voler quelque chose, je vais vous montrer que ça marche. Maintenant, ne le mettez pas dans un ITR, ou dans un barilé, ou dans un Venom, tout ce qui est barilé, il ne faut pas le mettre. Je ne le savais pas, c'est ces personnes-là qui me l'ont appris, et depuis qu'ils savent ça, ils s'acharnent, ils continuent. Vous l'avez dit une fois, on a compris. Maintenant, j'ai enlevé la pub sur mon site. J'ai pas enlevé la pub. J'ai rajouté, ça ne marche pas dans un ITR, et dans un Venom ou dans un barilé. Je l'ai rajouté, et vous m'engueulez de l'avoir rajouté en me disant que j'ai changé la phrase. J'ai pas changé la phrase, j'ai juste rajouté un truc que je ne savais pas et que vous m'avez appris. Je vous en remercie, comme ça, ça évitera ceux qui l'achètent pour un ITR ou un Venom de faire l'erreur. Donc, je m'en excuse pour ceux qui l'ont acheté. Je leur rembourse volontiers leur achat et tout ce qu'ils veulent. Je leur chante même une chanson au téléphone, ça ne me dérange pas, je suis là pour ça. Mais ne me reprochez pas d'avoir changé l'intitulé. Je ne l'ai pas changé, j'ai juste fait une information supplémentaire en disant ne l'achetez pas pour ça. Maintenant, pour, si vous l'achetez pour du fil, parce que vous avez des problèmes, parce que votre fil casse, parce que le principal c'est ça, c'est que ça casse, parce qu'il n'est pas assez solide. On ne peut pas faire des miracles, on achète le Kevlar, ça casse aussi. Celui-ci cassera aussi, mais peut-être moins vite et vous serez plus à l'aise parce qu'il est plus costaud. Et je le répète, même pour Liliane qui s'acharne, je te le répète, il est plus costaud. Je ne peux pas l'inventer. Il est là. Bon, si tu ne le vois pas, c'est normal, il est là. Maintenant, tu peux continuer à t'acharner. Hein. Moi, je vais arrêter d'y aller sur ce site parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, faire ça avec ton fil, si tu y arrives... 104 grammes, je vais même pas te montrer avec une bague, ça sert à rien. Je vais m'envoler si je la fais tourner, la bague. 104 grammes, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas fait une vidéo de, comment dire, publicité mensongère, comme tu le dis. 104 grammes, si tu arrives à faire ça avec un autre fil, de la même finesse, aussi beau, aussi, je veux dire, tu peux le faire avec du fil de pêche, ça. Et ça ne sert à rien de le faire. C'est juste pour te montrer que le fil est solide. Si tu fais voler ta bague et tu tapes sur le fil et que tu ne le casses pas, c'est pratique. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On fait quelque chose et on n'est pas à l'aise, on est entouré par du monde, on fait des faux gestes et souvent, ça casse. Et bien, avec celui-là, ça cassera aussi si tu en fais trop, mais moins. Parce qu'il est costaud, 104 grammes. Il y avait le jeu de cartes à l'intérieur et je n'ai pas mis du vide à l'intérieur. Faites l'essai. Si ça marche, n'écoutez pas l'autre qui dit... oui, mais je vais t'écouter, je vais pas l'acheter. Ne l'achetez pas, je suis commerçant. Donc je suis là pour vous trouver des petites merveilles, ou des tours que j'achète chez Murphy,
ou des trucs que vous avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, c'est l'avantage d'Internet, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Maintenant, ceux qui disent que je fais de la pub mensongère, c'est pas parce que j'ai pas dit que ça marchait pas dans un ETR que j'ai fait de la pub mensongère. J'ai dit ce qu'il faisait. Et je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait pas. Maintenant, vous m'avez dit que ça ne le faisait pas. Je l'ai rectifié, voilà. Je vois pas pourquoi il y en a, ils s'acharnent. Et si je fais cette vidéo, je me rabaisse pas à vous reparler, mais je dis, allez, faut bien un peu leur fermer leur caquet à certains. Et on a peu... Surtout que c'est toujours les mêmes. Surtout que c'est toujours les mêmes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a de moins en moins qui va sur Virtual. Il y en a quelques-uns qui refont... C'est dommage, le site est très bon. On est là pour critiquer, pour dire notre avis. On a le droit de dire notre avis, on n'a pas le droit de s'acharner sur les autres. On n'a pas le droit de dire... tu peux dire que le matériel ne marche pas, et basta, c'est ton avis personnel. Et tu peux respecter ceux qui disent que ça marche. Ne leur dis pas, c'est pas vrai. Ils te disent que ça marche pas, tu leur dis que ça marche, et voilà, chacun dit la sienne. Mais arrêtez de vous acharner. Oh. Il y avait des Gaëtan Blum, il y avait des grandes personnalités qui venaient sur ce site. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que ça tourne en rond sur des trucs qui ne servent à rien. Et j'espère que ça ne sera pas coupé, parce que ce que je dis, c'est la vérité. C'est juste pour dire, oh les gars, essayez de mettre de l'eau dans votre vin et que ce site, il marche bien. C'est intéressant d'avoir un site où on parle de la magie. C'est notre passion à tous. Donc, voilà. Pour répéter, il est costaud, il est fin. Si le vote, il fait la même chose, ne l'achetez pas le mien. Ça ne sert à rien, vous allez perdre 13 euros. Parce qu'il ne faut que 13 euros, donc ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai tout dit, Jérôme? Parce que je sais qu'aussi, quand tu as lu tout ça... C'était un peu remonté, j'ai dit, viens, on va pas s'énerver. Ah ben, moi, c'est très simple. Je l'utilise, puisque c'est moi qui ai découvert le fil, depuis des années. C'est-à-dire que si je dis que ce fil lève 104 grammes, c'est qu'il lève 104 grammes. Et comme tu peux le voir et comme tu as fait dans la vidéo, c'est réel. Donc pour ceux qui pensent qu'on fait des trucages vidéo où on aurait mis un câble ou je sais quel autre type de fil à la place, je vous invite à venir au magasin parce qu'effectivement la plupart des gens qui parlent sont très près de chez nous. Oui, et on vous fait une démonstration en live. C'est-à-dire, on ne parle pas ce fil, il est réellement costaud. Si on utilise n'importe quel autre fil du FI, ce qu'il y a dans les tarantulas, ce qu'il y a, ne serait-ce que ce qu'utilise Bruno Copin comme fil ou Digel Messica, le fil n'a pas la solidité de celui-ci. C'est juste ce qu'on voulait dire. Maintenant, si vous ne nous croyez pas, on ne peut pas plus se justifier que ça. Donc, venez au magasin, on vous fait une démonstration pour vous prouver qu'on utilise, là en ce moment, si vous regardez cette vidéo, un seul brin de fil. Voilà, tout simplement. On ne peut pas faire plus que ça. Il glisse entre les mains. Bon, voilà. Voilà, donc 104 grammes, c'est la limite. Moi, j'ai réussi, c'est vrai, à monter jusqu'à 110. Bon, ça a été sûrement peut-être un coup de chance où j'ai levé très doucement, mais en tout cas, on arrive à soulever un jeu de cartes. C'est tout ce qu'on voulait dire. Après, comme j'ai dit, ça ne sert à rien de soulever 104 grammes. C'est juste pour prouver la solidité. Donc, quoi de mieux que de dire « il est costaud » que de soulever un jeu de cartes. Mais ça ne sert à rien. Parce que dans un spectacle, dans un... Non, mais pour un jeu qui se coupe, par exemple, pour un jeu qui se coupe, la carte qui sort du jeu, la plupart du temps, le fil peut casser parce qu'on a de la tension, on a du métrage qui fait que le fil rentre en élasticité. Ben, avec ce fil-là, effectivement, on a plus ce problème-là parce que le fil tient, tout simplement. Voilà. Là, je suis à l'aise. C'est sûr que si tu fais un mouvement, il va péter. Voilà. Mais on a 104 grammes de soulevé, ce qui est quand même énorme. Tout simplement. Donc on va pas s'acharner nous aussi, mais c'était pour quand même prouver nos dires et que les gens ne disent pas que on ment ou qu'on fait ou qu'on dit des mensonges, parce que ben dans ce cas-là on peut pas nous se justifier autrement que de faire une vidéo ou alors que de venir chez vous et taper à votre porte en vous disant regarde ce que je dis, c'est la vérité. Donc tout simplement. Et pour faire une petite pub pour le Venon, prenez-le, c'est vraiment génial. Pour ceux qui ont besoin d'avoir un fil à n'importe quel moment, c'est très bon. Moi, je ne fais pas le double machin, ça ne me convient pas parce que ce n'est pas ma magie, donc je ne vais pas critiquer ceux qui le font. Vous avez noté? Je dis juste que ça, c'est pas mal. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de prendre le mien et le mettre dedans. Celui qui est dedans est très bien. De toute façon, comme on dit, il ne marchera pas, effectivement, parce qu'il casse par les frictions. Effectivement... C'est pas bon pour ça. Et je sais, il y en a qui le répètent, oui, mais tu aurais dû faire des essais.
mais je ne peux pas faire des essais sur tout ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Je sais juste ce que je fais moi. Et vous me l'avez appris, c'est très bien. Au moins, plus personne on ne peut pas dire se fera avoir. Parce que quand tu achètes quelque chose et que ça ne marche pas, on te rembourse. Ça ne s'appelle pas se faire avoir. C'est ça le problème que vous n'avez pas compris. C'est que si je vous rembourse entièrement votre dû, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Maintenant, ce qu'on fait, litige PayPal, je vais faire tout pour rallonger la procédure. C'est normal, je suis là pour... Je sais que ça aurait pu... Je vais essayer de couper ces paroles, je n'ai pas le droit de dire des gros mots, c'est normal. Mais je rajouterai des petites écritures pendant que j'envoie cette vidéo, juste pour vous le dire ce que j'ai à vous dire. Voilà. Merci à vous. Si vous avez un problème, il y a mon 06. Si vous avez un problème, il y a le 94. Et si vous n'arrivez pas à nous avoir, c'est peut-être qu'il y a du monde au magasin. C'est pas, je ne regarde pas votre numéro et je dis je ne vais pas lui répondre. Donc, on filme tous les après-midi. Il y a du monde qui vient toute la journée. On fait des commandes toute la journée. Si vous n'arrivez pas à nous joindre... Insistez. Voilà, c'est tout. Et on n'est pas parti à la pêche. Hein, il pleut. Donc, voilà. Allez, merci à vous. À bientôt.